et on va aller voir cette vraie falaise tous ensemble, d'accord? Oui. Ouais, et on va aller regarder surtout une chose, on va voir si c'est la même couleur que sur le tableau. Faire découvrir l'art à des enfants âgés de 4 ou 5 ans, c'est la mission de Cécile. Pour y arriver, elle compare une peinture à la réalité. Est-ce que le ciel, il est bleu comme ça, là? Sur place, les enfants doivent repérer les différences entre le tableau et ce qu'ils voient. C'est à quel moment, ça? C'est le coucher, tu m'as dit? De soleil. Ouais. Et est-ce que là, c'est un coucher de soleil? Non. Non, là, on est à quel moment? Le matin. Ouais. C'est pas la même couleur. Il y a quoi d'autre de différent? Bah, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de orange. Une fois les impressions échangées, retour dans la salle de classe. Les élèves doivent maintenant dessiner la falaise. Au-dessus de la ligne marron, c'est le ciel. Sous la ligne marron, c'est la falaise. Démocratiser la culture, la rendre attractive, c'est l'objectif du dispositif Hors les murs qui existe à Dieppe depuis 8 ans. Là, on a essayé de leur apporter, et c'est de la base, mais c'est par là que ça commence. C'est la différence entre l'objet réel, l'objet représenté, et puis bah, l'objet interprété, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire comment eux, la falaise, ils l'imaginent en fait. Allez, on fait des petits ronds. Il faut que chaque enfant puisse, au travers de ce qu'il voit, développer sa propre sensibilité. Chaque sensibilité est différente, chaque regard est différent, et c'est cette richesse des regards qui va, je dirais, apporter la richesse que nous-mêmes, on va tenter de développer chez les enfants. Une dizaine de structures différentes accueillent des œuvres du Château-Musée. Le tableau original que les élèves de l'école Vauquelin ont choisi sera quant à lui installé le 1er février.